Bonjour à toutes et à tous. J'ai intitulé cette vidéo sobrement "La nuit qui s'en vient". Pourquoi Parce que je pense que l'Occident tout entier est en train de s'écrouler, faute d'avoir des dirigeants capables de faire face à une menace évidente, réelle et qui est complètement, euh, disons, mondiale. C'est-à-dire, ce n'est pas comme tout le monde vous le raconte, euh, le, comment dire le grand reset, le great reset comme ils disent, ou autre chose, le vrai problème c'est une guerre de religion, une croisade qui est menée contre l'Occident dans toute son entité et qui n'est ne, pas, pas reconnue comme telle. Et c'est là qu'est le danger, parce qu'à partir du moment où on ne sait pas qu'on a un ennemi, on ne veut pas le dire, on ne veut même plus le voir, on ne peut pas le combattre. Et c'est pour ça que je dis quand la nuit s'en vient, parce qu'elle arrive. Et cette nuit, ça sera la nôtre. Notre société va exploser, imploser. Elle, elle n'existera plus parce qu'il n'y euh, a plus de place pour elle. On a tout laissé faire, tout, tout, tout. Ça a été vraiment euh, crescendo, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait des petites, euh, des petites alertes, des petits avertissements. Et maintenant, regardez, c'est partout, partout. Il y a, tout, toute la société s'écroule. Euh, L'insécurité est vraiment dans toute la France, même dans des petits villages où franchement, on n'aurait pas pu soupçonner que ça existe. Euh, la violence est partout, la barbarie est partout. Le nombre de gens aujourd'hui qui se font... Poignardé pour un oui ou pour un non, c'est colossal. Euh, je crois savoir qu'il y a plus de 100 agressions par jour à la Tour Eiffel à Paris. Vous imaginez 100 agressions par jour C'est énorme. Hein c'est un chiffre vraiment qu'on n'a jamais imaginé obtenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a des politiciens qui sont mous, on a des politiciens qui n'ont rien à faire du pays, qui sont là à discuter entre eux de choses et d'autres. Même... La retraite, là, la fameuse retraite à 64 ans qu'a mis Macron et qui est une fausse, qui est un faux problème. Parce que la retraite à 64 ans, c'est quoi Ça va faire un ou deux trimestres de plus pour les gens au réel. Hein Donc c'est rien du tout par rapport à l'espérance de vie, par rapport au nombre d'années euh, qui peuvent rester pour les gens qui vont à la retraite. Et le plus grave dans tout cela, c'est que toutes les promesses qui ont été faites justement pour la retraite, aucune n'a été tenue par ce pouvoir. Il avait promis la retraite à 1100 euros minimum garantie. Il faut savoir qu'il y a plus de 10 millions de retraités en France, c'est-à-dire 60% à peu près, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est énorme, c'est colossal. C'est un pays pauvre, quoi. Et ces gens-là, on les aidera jamais. Il vaut mieux être étranger en France que français, c'est clair et net maintenant. Ensuite, vous avez... Deuxième promesse qui a été faite pour 2022 en catimini, presque. C'est 1200 euros. On n'a pas tenu 1100, là on dit 1200. Je suppose que si Macron pouvait se représenter une troisième fois en 2027, il proposerait 1300 ou 1400. Bon. On en est là. Et tout est à l'avenant comme ça. Alors vous avez eu pendant un moment, c'était le bouclier tarifaire, supposé protéger les Français. <coughs> résultat des courses. Résultat. Le bouclier tarifaire voit trois hausses au moins. En 2023 pour l'électricité, alors qu'elle devait être justement contenue. L'essence qui devait être en dessous de 2 euros le litre, rappelez-vous, c'était une promesse qu'a fait Macron l'année dernière, il n'y a pas si longtemps. Vous avez aujourd'hui de l'essence qui dépasse les 2,40, il faut le savoir, 2,40 le litre. Parce qu'il est pas on l'a trouvé à 2,20, 2,10, etc. Donc tout ça, c'est au-dessus de 2 euros quand même. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été promis n'a pas été tenu. Alors qu'est-ce qu'on a en face Eh bien en face, on n'a rien. C'est ça le drame de la France. Il n'y a rien. Alors si nous, Français, on ne se prend pas en main, on ne crée pas une sorte de mouvement populaire, peu importe son nom, peu importe l'idéologie, peu importe le tout, avec trois points capitaux qui sont la sécurité, et ça c'est capital, parce qu'un pays où on ne peut pas vivre en sécurité, il est foutu. Deuxièmement, Deuxièmement, le pouvoir d'achat, pareil, parce que pourquoi on n'aurait plus de pouvoir d'achat alors qu'on accueille des gens à qui on donne tout C'est complètement stérile, c'est stupide, c'est aberrant. Et enfin, troisième point, très important, le, le, que le travail et la production en France soient revalorisés. Parce qu'aujourd'hui, le drame de la France, que vous le vouliez ou non, c'est le fait qu'on n'a plus de production. Quand vous pensez que plein de produits qui étaient fabriqués ici en France ne le sont plus, c'est dramatique. Dramatique. Et même, on apprend, parce que ça on le sait, on finit par tout savoir, que beaucoup d'endroits, de, de, beaucoup d'entreprises de, de, sont en faillite parce qu'elles, un, elles font plus assez de chiffre d'affaires, ça c'est logique. Deux, beaucoup tombent en faillite. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à recruter du personnel. Ça semble incroyable, ça. En 2023, on peut pas recruter du personnel. Et eh oui, parce que qu'est-ce qu'a fait l'apprenti sorcier pendant les, le Covid ou la Covid, il faut dire la Covid. Alors on va dire la Covid, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il a fait Eh ben, il a euh, injecté entre guillemets votre argent, votre argent, pour essayer de sauvegarder la France, mais dans une telle méthodologie que cela a coulé les entreprises. Hein parce qu'en fait. C'est vraiment. Le gars, il a, il a mis un, un chapeau sur le couvercle d'une marmite bouillante. Le chapeau, il a brûlé. La marmite, elle a explosé. Et aujourd'hui, on a le résultat. On paye. Voilà. Donc, vous avez plein de restaurants qui ferment, plein d'hôtels qui sont mal, plein de sociétés qui vont très mal, des grosses sociétés qui ont fermé dernièrement. On en parle vaguement. La Banque de France qui a tiré l'attention, quand même, sur le nombre de faillites qui explosent en France. Donc, tout ça, il faut bien le dire. Hein, et il faut bien. Le savoir. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je m'énerve et c'est pas bon. Et je vous dis comme d'habitude, on est mal, on est même très mal et peut-être plus encore. À bientôt. Au revoir.